Mesdames et messieurs, salut, bienvenue une fois de plus sur Haitian Public Media. Je suis Abner Gelin. On a continué avec l'information aujourd'hui. Aux États-Unis, les républicains décidé puis ont bloqué un bill qui t'a garanti droit de vote pour tout citoyen dans le pays. On ne peut pas le parler. Et une autre fois encore, il y a un autre gros cas criminel monté sous l'ancien président Trump. Gros causé. Ça, nous pas croire qu'il n'a pas de chance pour le retirer de l'ambassade. Et le comité qui est responsable pour faire investigation sur le criminel qui est entré dans la capitale le 6 janvier, il a voté pour autoriser le département de justice pour mettre Steve Bannon avec tout acolyte lui en prison. Parce qu'ils ont refusé de paraître devant eux. Puis elle bat la vérité de ça qui a été fait. Avant que nous rentrions dans tout détail, ça, vous comptez ça pour faire. Gardez en bas là, vous avez un petit bouton rouge qui marque subscribe, cliquez sur lui. Après ça, cliquez sur cette cloche là pour que chaque fois que vous venez, vous êtes capable de connaître. Nous avons voulu mettre une vidéo ça aussi. Cliquez sur petit bouton semble pouce là, qu'on y a là, avant que vous oubliez, faites commentaire. Et partagez la chaîne avec des amis ou famille. Tout le monde qui vous connaît. Mesdames et messieurs, si politicien te kon want, Joe Manchin ta want jodi an la. Nou konnen ki es Joe Manchin ye. Joe Manchin se yon démocrate centriste ki nou pa ka même rele le démocrate kon ya la. Parce que li même avec cinéma yo bloqué tout bagay travail ki les démocrates ta supposé fait. Pour aider pays ça à sortir dans crise qu'il y a. Mesdames et messieurs, avant même que continuer parler de bagarre ça bon cette stage là pour nous-mêmes pour monde peut-être qui pensait qu'il n'a seulement défendre démocrate, c'est pas ça qu'il a fait. Vous voulez pour comprendre situation. Les États-Unis trouvent dans condition qu'on y a là, non moment qu'on y a là. Si par un monde ou bien un groupe qui décide puis défendre loi pays ça pour aller tourner un pays autocratie. Mon grand pile monde qui espérait pour ça ta fête. Grand pile monde qui t'a remé que les États-Unis perdu démocratie pour tourner un pays autocratie. Moi pas une nan yo. On pas wel comme ça du tout. Parce que on comprend qui ça pays autocratie que lié et qui ça qu'il fait et comment qu'il traite peuple la caille. En tant que un citoyen, un haïtien, yon moun ki gen ancêtre qui bataille pour liberté. Liberté si yon bagay ki mbay en pile importance. Dans sens ça, yon pays qui a propagé liberté, égalité pour tout moun, m'pata remè, pays a changé. Actuellement, les républicains nou kapabouel, yon pas soucié de loi pays ya. Yon se yon groupe qui semble un culte qu'on y a là, qui seulement converti en bas ancien président Donald Trump. Quel que soit crime que le président a fait, les républicains font comme si ils ne comprennent pas. Pendant ce temps, bagay sa yo, criminalité sa yo, yo vin paraître normal dans le pays. Ou gagne yon groupe moun qui refuse paraître devant le Congrès, yon body qui gagne droit et responsabilité pour moun paraître devant pour la vérité. Les républicains bloquent pour qui ça? Parce que yo impliqué dans la situation. Crime que l'ancien président des États-Unis fait, pas gen au monde aux États-Unis, qui c'était au même qui te fait, qui t'a quand même gen audacité pour t'a refusé payer prix pour bagay sa yo. Mais nous, les républicains, yo koré président Trump, yo chili, yo barrel, côté que le pas capable de payer pour prix bagay que le fait. Seule façon pour bagay sa yo changer, mesdames et messieurs, c'est droit de vote. Parce que lorsque le peuple est capable de voter, la majorité est capable de dire qui genre de gouvernement qui est voulu. Now, droit de vote, c'est un bagay qui peut faire toute république content. Côté que nous dit que tout le monde doit voter. Pour qui ça? Parce que les républicains ont fait comprendre que c'est pour le peuple qui est. Il y a défendre droit du peuple. Mais si vous avez défendre droit du peuple, ou pas capable d'empêcher un citoyen qui a droit pour le voter, pour le voter. Si vous faites ça, ça veut dire ou c'est hypocrisie. C'est hypocrite que lié. Dans ce sens, ça, si par exemple des gens qui campent
pour défendre droit moun, et bien pays ça pourra tomber dans l'autre direction. C'est ça qu'on a défendre. Actuellement, les démocrates bon côté pa yo, c'est eux même seulement qui semblent cap défendre droit de vote avec quelques républicains centristes cap essayer travail pour être capable aider à kembe bagay ça normal. C'est ça que fait n'a défendre droit de vote. OK. Nous avons un droit de vote qui relève fort des People Act. Les États-Unis a essayé pour faire passer une loi universelle qui crée une seule loi pour tout état yo. Tout le monde obéit. Côté que chaque monde, si vous avez 18 ans, il y a 4 de vote, il y a le droit pour voter, depuis le droit de vote li à lui-même, li active. Pas de gagner problème pour le voter, il doit voter s'il est capable. Les républicains, ils ont mis toute qualité barrage pour que les gens ne puissent pas voter. Lorsque Bill Sartre paraît devant la Chambre des députés pour voter pour lui, Joe Manchin décide pour le pas de voter pour lui. Qui ça qu'elle dit? Il dit comme ça que il paraît même bien dans la forme que lui a. À cause pas de gain républicain qui votait pour lui, Joe Manchin déclaré il pourrait réécrire bill là. Et il garantit. Allez bien oui, il garantit que lorsqu'il finit écrit version par là, les républicains pourront le supporter. Pour qui ça Joe Manchin te fait ça? Il déclaré que depuis ces bagages qui ont rapport avec droit de vote, li pa ta vle bil sa passe sans républicain pa voter pour lui. Il ta vle mené républicain aussi en board pour faire un bail qui relé un mix groupe ni républicain ni les démocrates pour voter pour lui. C'est bien dans un monde qui parfait, c'est comme ça que l'état doit yé. Ni les républicains ni les démocrates ta supposé réunir ensemble pour voter pour lui. Mais ton changer bien. 4 ans se passé là, ancien président corrompu pays. Côté que gagne une division. Même les bagages ta bon pour peuple là. Si bagay ça pour le bail démocrate un avantage, républicain pas voter pour lui. Même là ta bon pour peuple là. Parce qu'actuellement c'est pas droit peuple là qui a défendre, c'est droit pa yo. Et si Trump t'a dit non, pas voter pour lui. Les républicains ils coûté Trump pas voter pour lui. OK. Bill ça qui t'est présenté à son bill qui t'est parfait que le li permet que tout le monde capable gen droit pour voter. Par exemple, on parle bon exemple de qui ça bill la assemblée. Bill la li kon sa, qui ça que le dit? Pour l'assurer que tout le monde gen accès pour capable voter et enregistrer online, pour capable enregistrer online pour voter. Ou capable paraître même jour ou enregistrer sous qualifié ou capable voter. Yo vle aussi pour faire que jouer élection yo c'est un holiday que lié. Ça veut dire que travail aussi supposé bon jour ça off paye pour qu'elle voter. Si par hasard yo tal essayer intimider moun pour pas le voter pendant que pas le voter moun a intimidé son crime pour lié. Et non seulement ça pour yo créer un uniforme standard pour voter identification, gens qui sont capables d'identifier pour nous voter. Ont 4 qui sont 4 universels qui pour tout citoyen américain. Mesdames et messieurs, si vous regardez l'ISA que vous avez dans l'écran là, l'ISA c'est une liste démocratique pour tout le monde sans distinction. Ça pourra permettre que tout le monde ait accès pour voter et l'État n'est pas capable de changer parce qu'il pourra le passer sous loi fédérale. C'est congrès pour le passer, il pourra le signer. Et la loi terre, loi des États-Unis. Et pas l'État qui doit changer. Mesdames et messieurs, ça me montre là. Bill ça me montre là. Guess what? C'est Joe Manchin qui écrit. Bon, mais si que non. Déjà, sur deux consacrés, tu as un bill déjà qui paraît. For the People Act. Pas un grand républicain qui vote pour lui. À cause de ça, Joe Manchin déclaré lui-même tout, il n'a pas voté pour lui, il bloqué. Parce qu'il dit pas avant un bill passé si par républicain. Et il dit comme ça lui-même personnellement, il pourra réécrire bill là. Dans façon parle. Il pourra le présenter, il garantit qu'il pourra joindre républicain qui votait pour lui. Par exemple, si montre nous là, ça lui-même, c'est ça que Joe Manchin te dit. Il dit que I've been walking across the aisle with all the Republicans. Pour m'essayer, pour me joindre, pour comprendre que la
Bagay ça, c'est lui-même qui bedrock démocratie. Et pour nous capable faire yon accessible fair secure voting. C'est Joe Manchin qui dit ça. Et nous capable voir que selon Associated Press, Joe Manchin propose changer bill démocrate là. So, Joe Manchin avance avec force parli, avec confidence li, il pourra réécrit bill là. Il dit que il pourra joindre les républicains qui vont voter pour lui pour aider le faire le passer. Et là, la loi m'a fait là dans le travail. Il passe tout le mois là, la écrit bill là. Et finalement, il paraît avec version que je nous montre là. Version bill ça, c'est version Joe Manchin, tout ça me saute là, c'est bagaille que Joe Manchin décide qu'il pourra le faire passer, qu'il écrit à propre tête parle. Et il dit bon, ça, yo, ce sont des choses qui réelles, c'est bon bagaille qui est. Tout Américain réel t'a dû accepter qu'on y a là me parle devant républicain pour voter pour lui parce qu'il y a une confiance que républicain t'a voter pour lui. Mesdames et messieurs, yo essayé voter même bill ça hier. Pas même un grain républicain qui voter pour lui. Yo buy Joe Manchin yon calotte dans figil. Parce que c'est Joe Manchin qui a essayé bloquer démocrate pour républicain, il pensait que républicain t'a pas l'aider. Pas même un grand républicain, mesdames et messieurs, qui votait pour un bill, qui gen bagay la dan même que républicain a demandé. En pile l'autre bagay qui démocrate te gen yo, Joe Manchin retire yo. Li seulement qui te bagay qui républicain te vle yo. Et li présente le devant, il dit bon, mais bill nous te besoin, on réécrit li. Tout ça que la dan, c'est bagay démocratique, c'est bagay qui n'est pas moun qui croit que peuple a de voter, t'as supposé. Supporte le, let's go. On a le voté pour lui. Li présenté devant chambre des députés, mesdames et messieurs, même yon single républicain pas voté sous lui, même moun le plus souvent qui votait avec démocrate, yon pas voté pour lui. Pour qui ça? Parce que chef là Kevin McCarthy li opposé changement dans bill là. Pour qui ça le pas fait? Moi vais expliquer pour qui ça. Moi toujours dit nous comme ça que en 2024 les républicains voulaient voler élection. Comment on voulait faire? Déjà dit nous que yo mettait pouvoir dans chaque état républicain. Yo changer loi, loi de vote là, côté que yo capable empêcher mon aller voter, yo fermer pour mon aller voter les dimanches, yo empêcher mon aller voter en certaines heures, yo pas voulait permettre que mon aller voter n'importe l'heure. Ça veut dire que monde qui va le travail pas qu'une chance pour aller voter. Si que jour ça te venir un holiday, côté que ou capable recevoir l'argent pour jouer ça. N'a pas tant qu'on l'idée. Malheureux, il n'a pas peur pour aller voter. Il connaît que si l'a voté, il a besoin de colbli bac. Mais la République n'est pas vle. Parce qu'il connaît, c'est plus noyau avec minorité qui n'a pas vle qui travaille, puis au perdre un jour de travail, puis aller voter. Avec dit que, il a réduit combien de monde et qui qualité de monde qui a voté. Tenez bien. C'est combien de monde et qui qualité de monde qui n'a pas voté. Parce qu'on ne peut pas comprendre Jean-Baptiste la fête. Ce n'est pas parce qu'il ne doit pas voter qu'il ne doit pas voter. Mais si on rend une situation impossible et on met en façon pour capable faire ou même qui peut l'affecter par lui-même par le voter, parce que nous avons des choses. On a qui est capable de payer, mesdames et messieurs. Il a un job qui touche chaque jour. Juste à ce jour, vote, il a pour le travail pour le faire 400-500 dollars. Vous pensez qu'il ne peut pas le travail? Il ne pas le travail. Il ne peut pas pour le voter pour un grand vote pour le faire comme ça. Non, il ne peut pas faire. Il a préféré le travail. Il ne peut pas que ça le fait, il réduit. Nombre de monde qui est capable de voter. Les républicains, ils ont 7 lits comme ça pour être capable de gagner l'élection en 2024. Ça veut dire qu'on y a là ou même, on doit faire plus toujours pour être capable de voter. Eh bien, Joe Manchin, mesdames et messieurs, comme on dit déjà, pour un gros calotte dans la figure, parce que les républicains disent non, nous ne pouvons pas payer. Même là, on écrit Bill là vraiment, ou écrit l'assemblée avec Bill Panon vraiment. Et c'est ça qui nous dévle. Oui, il est bon pour le peuple là. Mais nous ne pas care, nous ne pas voter pour lui. Parce que si nous votons pour lui, il pourrait bailler le peuple à pouvoir pour contrôler vote. Dans ce sens, nous-mêmes, nous ne pouvons pas voter pour lui. Mesdames et messieurs, les États-Unis sont en crise politique. Et si les démocrates et les gens qui comprennent la situation ne sont pas campés, ils votent en grande quantité pour renverser le pouvoir républicain, le pays pourra le tourner un pays anarchie. Côté que c'est un seul parti qui pourra le contrôler. Ok. Nous avons monté sous l'ancien président des États-Unis.
Nous connaissons que Trump a gagné multiples des cas criminels sous dol. Et bien, il y a un autre gros encore tombé. Ça lui-même, document déjà dans les autorités. Et c'est ça que fait me dire, mesdames et messieurs, c'est difficile pour les républicains pas bataille pour Trump monter sous pouvoir. Parce que si vous pas fait ça, Trump pour aller en prison. Trump pour aller en prison. Mais, comme moi dis nous déjà, loi déjà contrôlée pour capable qu'embe Trump sous pouvoir. Et bien c'est ça qui fait que il a fait tout ça pour capable faire retourner encore. Parce que s'il pas retourner, il prend la prison. Bon monter nos bagages. Président Trump, si me donne une photo président, m'ta montrer nous. Président Trump actuellement, il y a un cas criminel qui peut aller encore dans l'état de New York. Pour bagage taxe toujours. Président gagné yon golf course et golf course nan yon place New York. Autorité nan zon nan gen bagay ki rele assassin. Assassin se yo pon propriété ou gen, on ka yon tè et gouvernement di mes valeurs ki ou ete aye. C'est comme ça ki yo charge ou taxe. Yo di ke tè sa li gen valeur à 1 million dollars. Et yo charge ou taxe selon ça qui au même yo wè ki valeur aye. Car il a ligé tant valeur. Il recherche aux taxes selon ces gens qui ont valeur à eh bien, l'État dans New York déclaré Trump gagne un golf course selon les examinés. Il y a eu qu'il vaut 15 millions de dollars. Il dit Trump, eh bien, vous supposez payer taxes sur 15 millions de dollars. Trump déclaré golf course a été worth seulement 1,5 million de dollars. Il bataille avec l'État. Il dit que la valeur que met sur golf course n'est pas ça que lui livre. Il dit valeur que il bail, il dit que il bail 1,5 million de dollars. Et c'est sur ça qu'il paye taxe. Il bataille là en courte et il dit que valeur plus ça c'est 1,5 million de dollars. Son il descend de 15 millions de dollars que l'État a dit qu'il était, monsieur dit ça 1,5 million de dollars sur le paye taxe sur ça. Ça a arrêté. Ça a passé en 2015, mesdames et messieurs. En 2016, président Trump fait ça qui relè financial statement. Côté qu'il a déclaré valeur bagay que le gagne. Le plus souvent le fait, le capable de l'argent prêté dans la banque conseil de bagay. La bay valeur bagay que le gagne. Pendant ce temps, en 2016, qui ça que le fait? Je montre nos documents, ça, mesdames et messieurs, qui ça que Trump fait? En 2016, Trump publie document ça by autorité. Il dit que même place ça, même golf course ça qui na Westchester, même golf course que autorité te dit il te vaut 15 000, lui même il dit il te vaut 1,5 million, alors que autorité te dit qu'il te vaut 15 millions, mais lui même il dit qu'il vaut 1,5 million. Trump déclaré en 2016 que même place ça, il vaut plus que 50 millions de dollars. Mesdames et messieurs, je quitte ça en tes gens. Bois, c'est dans le cerveau pour capable comprendre, se comprendre. Bon, je dis encore pour capable comprendre un peu. Autorité, premièrement, valoriser place là. Golf course là. Il dit Trump, valeur golf course là, c'est 15 millions de dollars que lié et vous devez payer taxes sur 15 millions de dollars. Parce que c'est comme ça qu'il est chargé taxes. Trump dit non. Il ne peut pas avoir tout l'argent ça. C'est 1,5 million de dollars qu'il vaut. Ça veut dire que il peut payer taxes seulement sur 1,5 million de dollars en 2015. En 2016, Trump avec propre force li déclaré même côté même place qu'il t'ai dit qui pas vaut 15 millions de dollars, il dit que place ça li vaut plus de 50 millions de dollars. Et sous gardant Babala, il y a un peu barré là, ça c'est signature monsieur qui en l'air là, tout noir. Côté Trump signé, déclaré que place ça lui vaut plus de 50 millions de dollars. Comment expliquer bagaille ça? Qui ça qui vérité? 15 millions, 1,5 millions ou bien plus de 50 millions? Ça c'est un monde avec propre volonté pâle. Cap voler l'État. Qu'on y a là, ka sa,
li devant moun yo konya la et konya la Trump pendant pouvoir encore décision civile li de paraître devant la justice pour l'expliquer bagay ça nous va connait ki j'en parle voler sous de l'autre monde mais il signe le document là et c'est ça que fait mesdames et messieurs y a travail d'arrache pied pour permettre que le président ça monte encore sous pouvoir. Première fois dans l'histoire des États-Unis, il y a un président qui était pouvoir, là il travaille. Là il fait des bagailles pour la société. Là il fait des missions. Là il paye des timons. Il a peinturé tant que George Bush. Mais le président Trump, depuis le fini, c'est cas criminel qu'il a défendu. Ça n'a pas jamais fait dans l'histoire. Et qu'on y a là, il a essayé de mettre même monde ça encore sous pouvoir. Mesdames et messieurs, c'est terrible. Nous va suivre ça et nous va faire connaître parce que un peu le temps passé là. En nous va nous garantir pas ce bagage Steve Bannon. Eh bien, comité a qui responsable pour faire investigation sur ça qui est passé le 6 janvier. Eh bien, ils ont voté ensemble semaine ça là pour mettre Steve Bannon en prison parce qu'il refusait paraître devant eux. Qu'on y a là mesdames et messieurs, car devant le département de justice pour décider qui il est, pour pas arrêter Steve Bannon, pour foutre dans la prison, pour refuser paraître devant le comité. Et hier, les démocrates ont parlé, les gens qui sont responsables, le comité a parlé, et ils ont dit comme ça que si par hasard, ils ont laissé Steve Bannon avec tous les amis, sans qu'ils ne paraissent devant la justice, pas mis en prison. Eh bien, l'on n'a pas de valeur encore. Parce que qui est ce monde dans le monde aux États-Unis qui t'a fait un crime ou bien qui t'a demandé pour le paraître comme un témoin pour t'a refusé pour le pas en prison? Cas ça, mesdames et messieurs, c'est gros cas. Nous avons suivi yon par yon et nous promettons nous avoir bonne information de tout. Non, moi, c'est Abner Gélin pour Haitian Public Media. Passons une très bonne journée. Bon débénin. Bye bye.